Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les pots de lactofermentation et tout le matériel pour réaliser sa propre choucroute ou tous les légumes lactofermentés. Donc on va commencer par le pot, qui c'est pas la première étape mais c'est quand même le plus emblématique. Donc on présente dans notre gamme des pots donc en céramique, en grès, émaillé, qui ont l'avantage d'avoir une très bonne inertie à la température, de conserver donc bien au frais lorsqu'on le met ensuite dans une cave. Et donc il y a une petite particularité, on peut le voir sur ce tout petit modèle, c'est les plus petits que nous ayons. Donc on voit cette gorge qui permettra de faire un joint d'eau. Donc une fois qu'on aura mis les aliments à l'intérieur, on va remplir d'eau cette gorge. Et le couvercle comporte une échancrure qui permettra du coup au gaz de fermentation de s'échapper à travers le joint d'eau et par cette échancrure, sans que l'air extérieur ne vienne oxyder et altérer la fermentation des légumes qu'on aura mis dans les pots. Donc voilà, il y a une gamme avec des tout petits pots qui commencent à partir de 1 litre jusqu'à 5 litres avec ce joli verre d'eau. Et puis une gamme plus traditionnelle qui commence ici à 5 litres et qui est déclinée donc en 10, 15, 20 et 25 litres. Donc selon vos besoins et vos usages, vous pouvez vous adapter, faire des plus petites fabrications ou des séries plus importantes. Pour les gens qui souhaiteraient également faire de toutes petites quantités ou faire du kimchi, très populaire en Corée, on a également un kit à base de bocaux, avec des bocaux, donc là le parfait en l'occurrence, dans lesquels on va pouvoir faire aussi la fermentation. Et donc là, c'est des pots qu'on va pouvoir garder ensuite au frigo. Donc c'est un kit complet qui est fourni avec la pince. Une passoire égouttoir et puis la petite étiquette et un petit livret qui vous permettra d'avoir les éléments et les recettes de base pour faire vos recettes. Alors ces produits, bien sûr, avant déjà de se lancer dans ces fabrications, pour à la fois comprendre leurs intérêts et tout ce qu'on peut en tirer, on a déjà de la documentation. Là, on présente quelques livres qu'on a ici, on en a d'autres encore. Qui permettent de vous familiariser, que ce soit avec les process, les techniques ou l'intérêt. Donc c'est vrai que celui-ci, donc de Sandor Elixkatz, c'est vraiment une référence. C'est quelqu'un de très très pointu sur le sujet. Donc il a déjà écrit plusieurs ouvrages très connus aux États-Unis, c'est un Américain, qui est vraiment qui parle après de la fermentation de manière globale. Donc beaucoup de lactofermentation, mais également pour tout ce qui est fermentation de céréales, de produits laitiers, également viandes et poissons. Donc pour préparer ensuite vos légumes, il y a une étape préalable, et c'est beaucoup le chou. Donc on a aussi là tout un tas d'instruments, que ce soit des couteaux spécialement adaptés pour pouvoir couper les choux et les débiter, parce que c'est quand même des grosses pièces. Voilà. Un couteau un peu plus adapté qui est également aiguisé sur la pointe, donc qui va permettre de pouvoir trancher assez facilement les choux. Avant ça même, le creuse-choux, donc qui permet d'enlever le trognon aussi plus facilement, plutôt que une fois recoupé en quatre, recoupé encore, qui permet d'être plus efficace. Et ensuite pour les débiter, donc là on présente les plus petits modèles de râpe, donc on a jusqu'à des grosses râpes sur pied pour faire des grandes quantités de choux. Mais on peut voir là des petites râpes qui vont bien pour les kimchi ou les tout petits pots, là jusqu'à 5 litres on va dire, pour râper le chou. Ou ce produit-là qui va permettre de tourner les légumes et qui permet grâce à un système de lame de tourner par exemple aussi, de débiter des navets plutôt, pardon. Donc simplement avec une tranche, mais il y a aussi un système de peigne qui permet du coup de faire vraiment des lanières et de pouvoir les passer ensuite facilement à l'actofermentation. Donc c'est des instruments qui permettent de gagner beaucoup de temps lorsqu'on en fait régulièrement ou en quantité importante. Sinon, un bon couteau assez grand, et ça fait aussi déjà l'affaire pour pas mal de choses. Et une râpe. Et donc voilà notre gamme complète pour la lactofermentation et les fermentations. Bonne préparation à tous.